sa grande chambre. Et voici qu'il était la chambre hospitalière, où l'étranger trouvait bon gîte et réconfort, où les fils étaient nés, où l'aïeul était mort, où l'on avait tassé ce grand corps dans sa bière. Au kermesse, au jour de foire et de décor, la ferme y célébrait la fête coutumière. Et jadis, quand vivait encore la fermière, elle y trônait, au centre, avec ses pendants d'or. Les murs étaient crépis. Deux massives armoires étalaient dans les coins leurs bois abris de moire. Au fond, un Christ en plâtre expirait sous un dais. Le front troué, les yeux ouverts sur les ivresses, et le parfum des lards et la senteur des graisses montaient vers son cœur nu comme un encens mauvais.